Thank you.
こんばんは皆さん。お元気ですか Bonsoir tout le monde. Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat. Et pour ceux qui ont tier 3 Kakashi J'ai pas oublié. Comment ça va tout le monde? Oui, Kakashi qui pop. Non, il est pop là. Washi, yaho. Naruto. Kanbawa minasan, comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme pour le cours d'exercice de ce soir? Genki desu ka? Coucou tout le monde. Coucou. Comment vous allez? Coucou Polokom, coucou Mayu, Ishtari, tout le monde, pour nous, Azazel, Nonei. Oh, putain, j'ai commencé, j'aurais pas dû, faut que je le dise à tout le monde. J'ai pas dit à qui. J'ai pas dit à Talala, coucou Talala. Et après, j'ai pas dit à Patricia, coucou Patricia. Coucou Gosto. Coucou Petit Rani. Et coucou Nia. Là, j'ai dit tout le monde. Comment est-ce dans la casa? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Coucou Bécassine. Yaho. Oh, coucou Marmounette. Merci beaucoup pour le follow. Follow してくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne. Comment tu vas? Comment vous allez? Genki desu ka? Ah, donc moi je suis personne. Ok, mais t'as... Il m'énerve déjà. Coucou Esjim. J'ai cours de japonais avec toi. Tu as déjà oublié. Non, je n'ai pas oublié, Mayu. Très bon cours au passage, tu as fait une très bonne traduction. J'ai bah non, tu laissais déjà en fait. J'avoue. Mayu, je sais. Pure double, je sais. Et Gosto, je sais. Mais les autres, je sais pas. Voyons. Je suis triste, il y a des gens, ils se sont pas réabo, du coup ça a baissé alors que c'était à 60. Bye bye le live karaoké, bye bye. Par contre, non, de ce côté-là, ça augmente, ça c'est cool. Ça descend pas. Merci Marmounette encore pour le follow. J'espère que tu vas bien. Coucou Yukimi. Non, t'es pas en retard, il y a eu un problème de connexion, mon PC genre il était en mode ça va pas. Du coup j'étais en mode je redémarre tout de suite, je cherche pas à comprendre. Je suis devenue fantôme à la place du fantôme. Mais non! Sana kotanai yo! Évidemment que non. L'invisible man. Vous êtes pas possible. Vous êtes des enfants! Hein? Des enfants! Vous allez aller au coin hein, si ça continue. Ah bah nickel, ton PC a fait exprès parce que j'étais pas là. Non mais voilà, Yukimi, il a pensé à toi. Bon, j'ai un peu grondé, mais sur le coup, je me suis dit, bon, si c'est pour Yukimi, ça passe. Du coup, j'ai redémarré et puis hop, ni vu ni connu. Tu sais ce que ça fait d'être ignored maintenant. Oui, madame qui dit oui, madame. Vous avez l'air d'être en forme. Est-ce que vous avez révisé le comparatif? Il va y avoir des sondages aujourd'hui, des questions. Ah bah oui, Azazel, je me doute que non. Il faut que tu gagnes balimas pour rattraper les cours. Mon PC est déjà dans un coin. Naruhodone. Vous avez pas eu le temps? Bah écoutez, c'est les révisions du coup aujourd'hui. Ça va vous servir de révision. Ah, donc oui, ça va Azazel. Sodashine, tashikane. Non, j'ai un entretien demain. À l'aide. À l'aide. Ganbatte, Esjum. Ganbatte kudasai. J'arrive déjà à peine à faire de... 2-3 cours, pas de révision. Mais si, réviser, ça va vous permettre d'assimiler les nouvelles connaissances. J'ai jamais eu cours, ça va être mon premier cours. Oh, Ganbatte, Nel. Alors, ça, c'est un cours d'exercice. Donc, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce que l'on a vu lundi. Donc, tu vas apprendre peut-être du vocabulaire aujourd'hui. La grammaire, ça va être un peu compliqué, mais tu pourras apprendre du vocabulaire. Coucou, Oli, ça va bien et toi? Genki desu ka? Moins tu dors, plus t'es fort, il paraît. Je sais pas si ça marche avec moi, ça. Je crois pas.
sinon ma tête au réveil à 5h30 en moyenne. Bah la nuit je dors, c'est mieux. Ah d'accord. Oh, mais qui a ? Pourquoi il est méchant ? Il a dit quoi ? Il a rien dit ? Maïeu, moi j'essaie de te défendre, mais si hein, tu mets pas du sien, enfin du tien plutôt, ça va pas aller. Hein. Est-ce que ça va au niveau de l'écho, du son, de l'image ? J'imagine que oui, sinon quelqu'un me l'aurait déjà dit, mais sait-on jamais. C'est nickel. Bon du coup, est-ce qu'on on serait pas déjà chaud d'éther patate? Ah oui, je voulais voir mon overlay, j'ai un problème avec le chat et je voulais voir si il était relat ou pas. Attendez. Hein. Ah voilà. Et normalement comme ça devrait pas poser. Oui c'est bon. C'est rejoli. J'ai eu peur. Il avait disparu. Disons que le rythme grammaire plus kanji commence à devenir intense. Alors t'inquiète pas, Ishtari. C'est pour ça qu'on va faire des semaines de révision pour les kanji où vous aurez toujours une semaine de rab à chaque fois. Pareil, la semaine prochaine, au niveau de la grammaire, en fait, ça va être du vocabulaire. Du coup, ça va vous alléger un peu tout ça. Je suis en train de réfléchir finalement à pas faire des semaines d'examen pour vous laisser à chaque fois une semaine. Genre, vous avez une semaine pour réviser ce qui a été fait. Et comme ça, vous êtes tranquille après et ça vous permet de réviser. Je sais pas. Il y a genre une semaine où on fait que deux cours, un examen de grammaire et un examen de kanji. Je sais pas. Après, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des examens ? Non, c'est juste peut-être plus de la révision où on revoit tout et puis ça vous permet de je sais pas, tous les trois cours. Genre, on fait trois cours, puis un cours de test. Trois cours, un cours de test. Comme ça, ça vous permet de pas trop être surchargé d'informations. Non, je passe plus d'examen. Je les pose uniquement maintenant. Ah non. Azazel qui dit... Oh oui, ça peut être cool. Pourquoi vous embêtez Yukibi ? Qu'est-ce que vous faites ? Je sais pas. Dites-moi. Oh, c'est gros. Ouh là là, mon émote, elle est grande. Coucou, Marion06S. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton follow. C'est trop gentil. Follow, je t'écris arigatou gozaimasu no channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, attendez, on va baisser un peu ça, du coup. Et on va mettre là. Y a pas quelqu'un qui veut follow des follow ou un petit bis, là, pour la faire tester l'annonce? Je réclame, je suis désolée, mais c'est pour voir si c'est bien réglé. Ah mais non, attendez, je peux tester les widgets. Attendez. Ah voilà. Comme ça, je règle comme il faut. Voilà, ça sera mieux, je pense. Coller des i, il est chaud. Bonjour, première fois que je débarque ici, même si j'ai follow depuis longtemps. Maïe, beaucoup trop gentil. Merci pour le bit de test. Merci. Du coup, ça va, ça devrait passer comme ça. Il faut que je refasse mon alert box. Vraiment, les gens, il faut que je refasse mon alert box. Je la supporte plus. À l'époque, ça passait, mais là, ça passe plus. Alors, première fois que je débarque ici, même si j'ai follow depuis longtemps, est-ce qu'il y a des cours plus débutants, certaines fois, ou plus experts, d'autres fois? Alors, soliste, en fait, moi, je suis le niveau du JLPT. C'est-à-dire que tous les cours qu'on fait, pour l'instant, sont niveau JLPT 5. Par contre, tu as... Lors des kanji, des phrases qui sont pas forcément JLPT 5. Ce qui permet à ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, comment dire, de réviser des choses qu'ils ont déjà vues un peu plus avancées. Mais c'est surtout à travers les phrases de traduction dans les exercices ou dans les kanji que tu auras un niveau plus élevé. Pareil dans les live traduction. Alors justement, je l'ai mis maintenant, je l'ai marqué, comme ça tout le monde est au courant. Si on atteint les 1400, le prochain objectif, du coup, c'est un live traduction de compte. Et donc là, ce sera un niveau plus JLPT 4, peut-être 3 pour certaines notions.
Et encore à côté, il y a celui de Sub qu'on avait parlé tous ensemble, tout au fond. Non, attendez. Tout au fond là-bas, tout au fond. Live karaoké, où je pense que le live sera réservé genre au Sub pour le chat. Et comme ça, tous ceux qui ont soutenu pourront marquer les chansons qu'ils veulent sans utiliser de points de chaîne et tout. Peut-être qu'on fera ça. On verra. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, merci pour ceux qui follow, comme ça, ça va débloquer le live de traduction de compte. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, du coup, le programme, ça va être révision des adjectifs et du comparatif. Donc, vous allez voir, j'ai piqué dans plein de petits manuels, plein d'exercices intéressants. Il y en aura 3 à faire aujourd'hui au total. Le cours ne devrait pas durer super méga longtemps, normalement. Voilà. J'ai loupé des messages. Quelqu'un peut me donner 10 000 euros de dons sur ma chaîne, c'est pour tester une alerte. Oh putain. Quelqu'un peut tester. Moi, rien que 1 euro, je suis en mode. Putain, les gars, 1 euro. C'est la baguette que j'ai pas, toujours pas été achetée. Demain, peut-être. Non, mais attendez, parce que demain, je crois que c'est même mort. Demain, c'est mort avec le planning que j'ai. Je pourrais pas acheter une baguette. Quoique, si j'ai la foi, la boulangerie est pas trop loin. Je sais pas. Il me reste 15 bits, c'est à peu près ça, non? 15 bits, c'est vrai que c'est presque 10 000 euros. Presque, presque, presque. Je pourrais presque, il faut juste raid ma chaîne que je viens d'affilier et... Ah, t'es affilié, Zoom, ça y est? Omedetto, clap, clap, clap pour l'affilié. 1 euro égale 1 apprenant bug, mais c'est un peu ça, genre... De l'argent, oh, qu'est-ce qui se passe? Des follow, c'est pareil, des subs, des... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, pas encore, Naluhodo. Bon, bientôt, alors, bientôt. La dernière fois qu'on t'arrête, t'as paniqué. C'est vrai. Et elle a fait du caca. À chaque fois que je live, je regarde si toi, Shania ou Candy êtes en live pour vous redistribuer de la visibilité, mais vous n'êtes pas là aux mêmes horaires. Ah, Naluhodo. Après, moi, je suis toujours au même. Lundi, mercredi, jeudi, 18h30. Donc, c'est pas compliqué. Sauf si, de temps en temps, je fais pop du gaming. Bon, sinon, est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui? Premier exercice? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est go? Est-ce qu'on est parti? On est parti? Est-ce que vous êtes chaud patate pour réviser? Bah, non, on n'est pas prêt. Bon, bah alors, attendez. Et Yuki me dit, c'est parti! C'est parti, c'est parti! Non, allez, on commence! Vous êtes tous prêts? De quoi écrire? Et tout et tout? T'es un peu comme une kryptonite pour moi. Je sais pas si c'est bien ou pas bien du coup. Et bienvenue à tous les nouveaux qui nous regardent. N'hésitez pas à papoter dans le chat avec nous, à poser des questions, à répondre. Aussi, n'hésitez pas, on est gentil. Hein. Je sais pas si ma tête c'est une tête de gentil, mais je vous jure, on est gentil. Bon, du coup, premier exercice. Alors, je vais vous montrer avec le premier. Je vous rappelle, on a travaillé le comparatif. Le but, c'est de comparer deux choses entre elles avec un adjectif. Et donc là, vous devez dire que le chien est moins l'adjectif que le chat, en gros. Bon, la première, je vous aide, hein, mais Inu, il est moins ski, entre guillemets, que Neko. Et donc, avec ça, vous devez me faire une phrase avec un comparatif correct. Je vous dis pas le comparatif, je vous dis pas la phrase. Et le but, c'est de l'écrire dans le chat, du coup. C'est le but de l'exercice, former une phrase. Pour dire en français, ça serait que le chien, que j'aime moins les chiens que les chats. Comparé au chat, j'aime moins les chiens. Quelque chose de ce style. J'ai une question. On peut recommencer du début, s'il te plaît? Non. Coucou Anto, comment tu vas? J'y vais au talent, j'ai pas révisé. Grande batte, petit Razi, grande batte. Et oui, Azu m'a raté le Naruto. Bon, on recommence. Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat? Est-ce que l'exercice est compris? Ou est-ce que vous voulez juste mettre des émotes?
すごく疲れたけど元気だよ。あ、頑張ってアントさん。Alors, non a une idée. Il y a de l'idée, mais c'est il y a un petit truc qui va pas. Non a une idée, il nous propose Inua neko. Alors, j'imagine que tu as voulu écrire Hodo skides. Et là, il y a une petite faute. Il y a une petite faute. Inua neko Hodo skides. Qu'est-ce qui va pas? Comment on dit en japonais? Non, pire non. Comment on dit en japonais? J'aime moins les chiens que les chats. Comparé aux chats, j'aime moins les chiens. Comment on dit ça en japonais? Ouh là là, ça commence mal là. On va reporter le live. Hein. Oui, c'est ça, no name. Il faut une forme négative. Quand vous dites moins que. Prenez le cours avec vous. Alors maintenant, les subs, vous avez toute la section rangée. Grammaire, dernier cours, boum boum boum. Récapitulatif. Je peux bien. Du coup, non a une idée, en effet, il faut une négation. Du coup, est-ce que tu peux refaire la phrase avec une négation? On va passer à l'exercice 2, ça va vous être plus simple, je crois. Et on reviendra à l'exercice 1 après. Ah, j'arrive pas à trouver le cours, c'est trop rangé pour moi. Sodeska. Sodesne. So. Inu wa neko hodo suki de wa arimasen. J'aime moins les chiens que les chats. Comparé aux chats, j'aime moins les chiens. Sodesne. Bien joué pour la première. Donc là, vous avez la flèche. Hein. Soit négatif, donc moins, soit plus, donc plus, ou soit égal. Égal. Fait que je répète la même chose depuis tout à l'heure. Je vous mets la question numéro 2. Alors là, niveau vocabulaire. Hikoki, ça veut dire quoi? Hikoki. Hikoki wa nan desu ka? Est-ce que vous le savez dans le chat? Oh oui, bien joué. Ça veut dire avion. Funai, ça veut dire quoi, funai? Un bateau. Et l'adjectif benni, c'est quoi comme adjectif? Très bien, très très bien. Sur dessiné, bien joué, Mayu, no name. Pure no beishitari. Utile, pratique. So. Oh, bien joué, Natsuki Tewi. Merci beaucoup pour ton follow. J'ai vu que tu avais follow la chaîne pendant que je n'étais pas là. Merci à toi. Bienvenue à toi, du coup. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Sono chanel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue, du coup, à Nicole KLM. Merci également à toi pour ton follow. C'est trop gentil. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Sono chanel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Nicole-san, genki desu ka? Ah, bien joué, S-Dream. So. Donc là, en français, on dirait quelque chose d'utile. Les avions sont plus pratiques que les bateaux. Et donc maintenant, il faut essayer de le faire en japonais. Ah, merci Oli! Kampai! À ta santé! Kampai! Alors, du coup, Anto, ta phrase est correcte? Mais c'est con! C'est pas ce qui est demandé. Du coup, t'as pas bon! Alors, oui, Nel, c'est normal d'être perdu. Il aurait fallu que tu regardes le cours de lundi.
Nicole, merci, ça va. Ah, Jayokata. Incroyable, je cherche la chaîne. Je découvre la chaîne aujourd'hui et c'est exactement le sujet de mon dernier cours de japonais. Ah bah, la destinée, c'est ça. Sonne. Bien joué, Mayeu. C'est ça. Hikoki wa fune yori ben ides. Ici, on est sur du plus que. Hein. Merci beaucoup, Roman. Alors, LR6, j'imagine. Merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Comment as-tu trouvé cette chaîne? Dis-nous tout. Pareil pour tous les nouveaux. Comment vous avez trouvé la chaîne? J'aime bien savoir d'où vous venez. Si c'est grâce à Twitch ou grâce aux réseaux sociaux ou grâce à des gens qui vous ont dit « C'est cool ici, faut venir. » Donc voilà, pour la phrase numéro 2, hein, « Hikoki wa fune yori beni desu. » L'avion est plus pratique que le bateau. Ah, Oli, c'est Instagram. Naruhodone. Naruhodo. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour celle-là? Est-ce que vous avez compris? Donc, je le répète, un yori, plus une forme affirmative, c'est quand vous voulez dire que, quand vous comparez deux choses, que quelque chose est plus un adjectif que quelque chose. C'était dans l'onglet chaîne recommandée. Oh, Twitch fait bien son boulot, hein. En vrai, on s'était rencontrés en convention et j'avais trouvé tes réseaux sociaux. Ah, Naruhodo. Ah, oh, les gens de convention, vous me manquez. J'ai juste cherché japonais pour trouver des streamers japonais initialement pour me mettre du japonais en fond quand je travaille. Ah, et du coup, le mot-clé japonais m'a sorti ça. Ah bah oui, apprenons le japonais, tu m'étonnes. Coucou Kalinours, comment tu vas? Il va falloir réviser le cours. Bah ouais. Et l'avion, ça prend moins d'iceberg dans la tête. Mais oui. T'inquiète pas, Kalinours. Daijoubu. Ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé? Tu es encore en un seul morceau? Ça prend des tours. C'est trash. Bonsoir, je découvre la chaîne, je reste observatrice pour le moment. J'ai vu quelqu'un qui a conseillé ta chaîne à quelqu'un d'autre sur Facebook. Ah d'accord. Ah bon bah merci du coup. C'est gentil, moi je le vois pas ce genre de choses, mais ça fait toujours plaisir. Donc, arigato ne. Ah bah oui du coup, Natsuki, je me doute. J'espère que tu trouveras ta place parmi nous. Et puis si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Hein. Surtout sur cette leçon, si c'est ce que tu es en train d'apprendre. C'est le moment. C'est la révision. Ah, trop chou, Yukimi. T'inquiète, viens à côté de moi, je t'ai gardé la place. Kawaii. Et oui, et pour tous les nouveaux du coup qui viennent d'arriver, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. Je sais pas si le lien fonctionne encore. Est-ce que le lien fonctionne encore? Sinon, il est dans la bio de la chaîne, mais je crois que j'ai pas changé le lien, je vais le mettre sur la to-do list. Je crois qu'il fonctionne plus, mais voilà, n'hésitez pas. Question numéro 3, donc là il faut dire que sushi égale sashimi par rapport à oishi. Alors je pense qu'au niveau vocabulaire ça marche. L'adjectif c'est quoi ici? C'est quoi l'adjectif? Sinon, oui, je suis en un seul morceau, mais 4 heures de route dans la journée, je suis raide. Oh, tu m'étonnes. Comme de SFR? Ça m'étonne que quelqu'un ne l'ait pas encore fait dans la... dans le chat. Désolée, du coup, je rigole toute seule, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et oui, c'est ça. Oishi, délicieux, bon au niveau du goût. J'essaye de faire des blagues que vous faites, et évidemment, au moment où moi j'en fais, vous les faites pas. J'étais avec Sophie Thomas le jeudi soir pour la lecture de contes et j'ai vu que tu faisais cours avant et donc je m'incruste. Oh, Naruhodo. Eh ben écoute, bienvenue à toi, Marmounette. Ah merci Mayo du coup pour Mayo qui veut des invitations. Mais ceci va surcoti du coup, je sais pas celle-là. Mais c'est bon, des bons sushis là, inari sushi les gens. Oh, inari sushi. Inari sushi quoi. Celui-là, je suis sûre qu'il marche. Tu m'étonnes.
Du coup, ça donnerait quoi cette phrase en japonais? Comment vous diriez que les sushis sont tout aussi bons que les sashimi? Oh, par contre, sashimi, ça aussi, c'est un truc que j'adore. J'aimais pas trop. Et puis, un jour, j'ai fait des sashimi, genre... On était à Yamaguchi. Et on était en groupe. Et on a pêché nous-mêmes les poissons. Et une fois qu'on avait pêché les poissons, eh ben, on pouvait les faire cuisiner sur place. Et on en a fait des sashimi. Et c'était genre... tellement bon, mais genre ça fondait dans la bouche. Que depuis ce jour-là, j'adore les sashimi. Avec soja sucré, par contre, pas de sauce soja salée pour moi, c'est mort de chez mort. Coucou Maeva, comment tu vas? Maeva Team Sushi, apparemment. Bah, en fait, Natsuki, il y en a certains. Ça, les California Sushi, par exemple, moi j'aime beaucoup et on les trouve pas au Japon, du coup. C'est pas mal quand même. Hein. soja sucré, non mais si. Je n'aime pas la salée. Et sashimi plus soja sucré, genre je me régale tellement là. Oh, oh putain. Temaki supérieur à tous les autres. Ah ouais, non, moi c'est. Ouais, non, moi c'est sauce sucrée, je suis désolée. Moi j'aime les choses sucrées, donc la soja c'est sucré. Bien joué Yukime. Alors fais juste attention pour le gulai, il n'y a pas de kanji. Mais sinon ta phrase elle est nickel. Les sushis sont environ bons pareil que les sashimi. Alors les gens, moi je veux bien. Nihongo de onegai shimasu. Nihongo de onegai shimasu. En japonais s'il vous plaît. Je vais te faire bouffer du salé moi. Oh mais c'est pas bon. Elle est pas bonne. Sushi wa sashimi to onaji gurai oishii desu. Oui, bien joué, tout le monde. Alors, Bekassine, t'es pas obligée, mais ça veut dire que ta phrase est en forme neutre. Et nous, pour le moment, on ne fait que de la forme polie. Du moins, je vous incite à perfectionner votre forme polie, parce qu'au Japon, c'est ce que vous allez utiliser le plus avant de commencer à utiliser du neutre. Vraiment. Oui, Yukimi, je me doute. Sushi wa sashimi to onaji gurai. Onaji gurai oishii desu. Et donc je vous mets la lecture en lomaji hein, et la traduction. Sushi wa sashimi to onaji gurai oishii desu. Les sushis sont aussi bons que les sashimi. Les sushis sont aussi bons que les sashimi. Et moi, pour le coup, j'adore les deux. Et les gens, un jour, j'aimerais trop apprendre à faire des inari sushi. Je vous jure, c'est le meilleur truc. C'est des sushis, du coup, qui sont légèrement sucrés. Si vous n'avez pas compris que j'aime bien manger sucré, c'est pas ma faute. Genre, inari sushi, c'est... Il n'y a donc pas de sushi. Il n'y a donc pas de sushi à se faire. Clap, clap, clap pour cette blague de qualité de la part de Pure Noob. C'est ça. Les soucis sont aussi bons que les sashimi. Passionné. Moi, je mets quand même des petits clap, clap, clap. Ça m'a fait rire. J'ai souri. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de la politesse ici. Wesh. Avec un wesh qui casse tout. Mais c'est pas grave. Ah, les gens, la fatigue. Je vous jure. Cette semaine, vraiment, ayez pitié de mon âme. Hein, d'accord? Cette semaine, c'est... Je suis censée live du Fall Gigi, je crois, demain, je crois. C'est un pro, mais... Question numéro 4. Alors, Kuruma. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Kuruma? La voiture. Et Jitensha, ça veut dire quoi, Jitensha? Un véhicule motorisé, sans dessiner. Tutu, boum, boum. La voiture, sans dessiner. Et du coup, Jitensha, c'est le vélo. La bicyclette, le vélo, sans dessiner. Et Hayai, est-ce que vous l'avez déjà vu de votre côté? Parce que je crois que dans mes cours, je ne vous l'ai encore jamais mis. Hayai, ça veut dire quoi? Oh, bien joué. So, bien joué tout le monde. C'est rapide. L'adjectif en ir pour rapide. Et donc là, vous devez dire en japonais que la voiture est plus rapide que le vélo. Comment vous me diriez ça en japonais? C'est vrai. Hayaku! Hayaku shite! Dépêche-toi!
Ah, et les gens, par contre, on est vraiment à 30 personnes de l'objectif, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Va falloir que je fasse un sondage sur le Discord pour savoir quel compte choisir. Ah oui, non, faut faire attention. Quand tu as mal, c'est Itaï. Genre, ah, j'ai mal. Itaï, yes. Oh, coucou Saema, comment tu vas? Je n'avais pas vu que tu avais pop dans le chat. Tu as la même couleur que Yukimi. Bien joué, Zrim. So. Alors, comment vous me la feriez, les autres? Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Coucou Nek, comment tu vas? Bien joué, Yukimi. Sur Disney. Ah oui, non, mais Natsuki, c'est... Moi, je suis dans le même état que toi. Depuis que je suis rentrée d'Yamaguchi, c'est... De la dépression. Coucou, je viens de pas oublier. So on est. Il faut pratiquer, Natsuki, c'est le problème. Hein. D'une langue, de toute manière, peu importe la langue, faut pratiquer. Oh non, nègre, nadé. Les mots de tête, c'est le pire, c'est le pire. Bien joué, tout le monde. J'avais pas mal appris en stage à Nagado, mais 2 ans après, plus rien. Je te comprends, je compatis. Alors, je vous montre la réponse du coup. Kuruma wa jitensha yori hayai desu. La voiture est plus rapide que le vélo. Je suis tellement nulle en grammaire, quand je vois au Japon, je parle comme un sauvage, genre « Moi, allez manger maintenant !» Ça passe, franchement, ça passe. Tant que tu te fais comprendre, c'est le principal. Malheureusement, je ne peux pas rester, mais je reviendrai pour de prochains cours. Ah, merci à toi d'être passé, en tout cas, hello. Merci beaucoup, et puis bah, à la prochaine. N'hésite pas à regarder le replay au besoin. Je suis en train de refaire la chaîne YouTube, hein. D'ici ce week-end, ça sera un peu plus clair avec les playlists et tout. Nanana. Je les mettrai sur les réseaux sociaux, j'en ferai un peu la pub. Donc n'hésitez pas. Je suis en train de tout remettre à neuf. Le Discord est à neuf. La demande de partenariat Discord est envoyée. Ça y est, on a fait du bon boulot. Vous avez tous bien contribué à cela. Donc on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Qu'est-ce que t'as dit, Azu? Je sais, c'était fait exprès. Ah ben non, j'ai pas fait attention, je suis désolée. Oui, Saïma, c'est ce que je compte faire. Je pense que... Je cherche encore pour le titre, mais je vais faire par thème déjà, comme sur le Discord. Je vais réfléchir à comment l'organiser. Leçon 1, leçon 2, leçon 3, ça c'est sûr que je vais le faire. Et par thème, hiragana, katakana, kanji, grammaire. Voilà, voilà. Oui, je me suis rendu compte après, Mayu. Elle a géchant, sensei-san. Je suis na koto nai yo, watashi wa nanka. Itsumo to onaji janai no ka. La cinquième? Chugokugo. Alors ça, on l'a vu en kanji cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de ce mot de vocabulaire? Chugokugo te nan desu ka? Shitemasuka. La langue chinoise, so desu ne. Nihongo, je pense que vous le connaissez tous maintenant. Et kantan, c'est quoi l'adjectif kantan? Facile, simple, so desu ne. So, bien joué tout le monde. Et du coup là, en français, ça serait une phrase du style « Le chinois est moins facile que le japonais. » Ah, bon appétit pur noob. Yes, stream. So
そうですね。日本語、ルジャポネ、日本語。Comment vous diriez ça en japonais? Le chinois est moins facile que le japonais. Le chinois est moins facile que le japonais. Nan desu ka? Nihongo de wa. Ah! Coucou, Hitao Guten Abend. Kore wa doitsu go janai no ka? Watashi wa doitsu go sukoshi dake. Hanasemasu yo. Hashinan buri hanasenakute, amari oboetemasen. Oboimasen ne. Nihongo wa chugokugo desu. Ah, so desu ka. Pourquoi vous inversez la phrase? Vous faites l'inverse. Vous êtes pas possible là. Vous êtes des enfants. Vous allez tous être punis. Vous allez aller au coin. Et en plus ils sont tous contents. Ah, c'est pas possible. Ça y est, Purdue s'en va. C'est la délinquance. Alors presque Yukimi. Là il faut faire attention à ton adjectif hein. Tu as un adjectif en na. Et donc un adjectif en na va se conjuguer avec des. Kantan kunai, c'est pas possible. Kunai, c'est seulement pour les adjectifs en i. En même temps, en situation réelle, mieux vaut dire ce qu'on sait que se planter. C'est vrai. C'est vrai. Dire l'opposé, c'est quand même se faire comprendre. Mais ça parle même de l'objectif. Le but de l'objectif. J'ai un doute sur mon français des fois. Bien joué, Ishtaris. So, so, so. Kanpeki desu. Kanpeki desu. Dewa arimasen. Alors là, ton clavier, il a pas aimé. Le wa, c'est H-A. Hein, et il manque un R pour arimasen. Mais c'est ça. Kantan dewa arimasen. Chugokugo wa nihongo hodo. Kantan dewa arimasen. Le chinois est moins facile que le japonais. Autrement dit, le japonais est plus facile que le chinois. Ou autrement dit, le chinois est plus difficile que le japonais. Par exemple, là vous avez plein de manières de le dire, hein, cette phrase, mais celle qui était demandée, c'était en hodo plus une négation. Dewa arimasen. So, so, so. Ah! Ma connexion est en train de laguer. Double combo là. Ah ouais, non mais. Il y a moyen de dire plein de choses. Hein. Coucou Nolwenn, comment tu vas? Yaho!
Saïma, parfait. Bon, tout le monde, vous avez donné de bonnes réponses. Très, très bien. So desu ne. Nihon de wa 1 gatsu to 2 gatsu to dochira ga samui desu ka? Au Japon, lequel du mois de janvier ou février est le plus froid? Par exemple. Nihon de wa, hein, le cadre... le lieu, pardon. C'est le lieu. Au Japon. Question numéro 2. Alors, attendez, que je crée le sondage... A, B, C ou D. Voilà. Do desu ka? Ah, il y a un accent. Pour cette phrase-là. Oh, merci beaucoup Miyaka SWL pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu sur notre channel Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Et d'où viens-tu? Comment tu as trouvé cette petite chaîne? J'ai fait une faute? Ah, j'ai mis le moins au lieu du moi. Yes. Promis, pour les prochaines quêtes, je mets un badge. Enfin, je donne un point dès que vous trouvez une faute. Mais la première personne, pour les prochaines quêtes, je vous le mets, promis. Ça va être trop drôle. Merci, je t'ai trouvé dans mes recommandations. Ah, naruhodo ! Vive les recos ! Ils font bien leur boulot. J'aime bien le concept, c'est cool. Ah, yukatta desu ! Je suis contente que ça te plaise, du coup. Alors ici, est-ce que vous avez de bonnes réponses ? Do desu ka ? Est-ce que vous savez? 1 gatsu nani 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 ga samui desu. Je suis trop contente d'avoir trouvé ta chaîne. Oh, vous êtes trop mignon quand vous me dites ça. Mais moi, je suis contente que vous soyez sur ma chaîne. Sinon, je me sentirais un peu seule, hein, si je faisais cours à moi-même. Du coup, on met plus souvent Ichigatsu que... oui, en kanji, la date, on la verra plus tôt avec les chiffres qu'avec les kanji. Hein. Oh, bien joué, les gens. Bien joué. C'est la réponse B. Ichigatsu no hoga samui desu. Qui veut dire quoi, du coup? Vous avez peut-être vu la traduction. Oupsie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien joué tout le monde. C'est en janvier qu'il fait le plus froid. C'est le mois le plus froid, c'est janvier, etc., etc. Toutes ces traductions, ça me va. C'est ça, exactement, Saïma. C'est en réponse à la question d'avant. Ichigatsu no hoga samui desu. C'est le mois de janvier. C'est plus le mois de janvier. C'est le mois de janvier où il fait le plus froid. Oh, merci beaucoup Léonie80 pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Son autre channel Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, Nohoga, c'est pour donner ton choix entre deux choses. Oh, oh, merci beaucoup pour ton sub, Patricia. Merci. Merci pour le prime, je veux des clap 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 dans le chat, clap 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 pour le prime de Patricia, clap 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 dans le chat. Merci beaucoup, beaucoup trop gentil. Arigato, choireshi. Clap 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 dans le chat pour le prime de Patricia. Le rythme est pas mal, le rythme est pas mal. Je suis obligée de sub pour clap clap. Quoi? Allez, Nani.
Nantoyu Imideska. Merci du coup pour les follow et merci infiniment pour le Prime, pour le sub, c'est trop gentil. Franchement, quand vous avez ça et que vous me le donnez à moi, c'est que vraiment, vous m'aimez bien. Du coup, je vous aime encore plus. Un Prime, ça se lâche pas comme ça, genre c'est réfléchi. Oh, clap, clap, clap dans le chat pour le Prime de Anto. Clap, clap, clap dans le chat. Oh non. Merci beaucoup, Anto. Clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap. Non, malheureusement, les modos ne sont pas sub. Est-ce que j'utilise Kakashi et Sasuke pour tenter les gens et prendre un niveau de sub supplémentaire? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Alors que c'est ton 4e mois d'abonnement. Oui, c'est vrai que c'est Mayu qui, à chaque fois, il faisait des sub gifs comme ça, comme un ninja de Konoha. Ça n'existe pas, les modos. Coucou Yang Kitae, comment tu vas? Merci les gens pour les subs, c'est trop gentil. Arigato. Arigato gozaimasu. Follow shitemo. Ano sub toroku shitemo. Ano. Arigato ne. 4e mois, pas seulement. C'est quand même pas mal, 4 mois. Oui, Yang Kitae. J'ai essayé de les mettre rose. C'était horrible. Horrible. Ça fait 10 minutes que j'essaye de resub sur mon MacBook Air, mais il est tellement lent que je n'y arrive pas. Le chéri est sur le gros PC. Oh non, Maeva! Ça aurait été le timing parfait pour le train de live. En plus, c'est ballot, ça. Oh, bah mince. De quoi? Tiens, je ne peux plus clap. De quoi, Mayu? Coucou, Jojo, comment tu vas? En arc-en-ciel, une couleur par lettre. Ya, sonakoto wa muri desu, muri desu yo. Tiens, dis, on a parlé tout à l'heure avec Mayu, Anto et tout, et du coup, je me demandais si tu prenais encore des élèves en cours particulier. Clap, clap, clap pour Natsuki qui fait le chou chou, c'est le train de hype. Chou chou, c'est le train de hype. Chou chou, on veut des subs. Chou chou, on veut des bits. Vas-y là, je veux participer au chouchou. Chouchou, c'est le train de hype. Ah, on est revenu aux 60. Les 60, non, les 60. Il y avait de la drogue dans son eau. De la fatigue concentrée. Et je dois avouer que ça fait effet. Hein. C'est rapide. Je peux pas encore s'en charge. Chouchou, c'est le train de hype. Comment tu vas, Léonie? Merci à toi d'être follow à la chaîne. Tu arrives en plein train de la hype. Merci en tout cas à Natsuki qui, du coup, a pris un abonnement niveau 1 pour la première fois. C'est que la chaîne te plaît, je suis contente. Tchou, tchou, c'est le train de la hype. Et du coup, Azazel, pardon, il reste encore des places, donc si tu veux... t'informer exactement en quoi consistent les cours particuliers avec moi, niveau prix, l'accompagnement, etc. Tu peux m'envoyer un message, évidemment, il n'y a pas de souci, il me reste des créneaux, bien évidemment. Encore plus si c'est les gens du Discord, je trouve toujours une petite place. Il y a toujours des petits créneaux qui se libèrent comme ça. Bon appétit, Nalwen. C'est quoi un train de la hype? En fait, ça permet, dès qu'on passe le niveau 1, normalement, d'avoir des émotes pour ceux qui y participent ou qui font avancer le train. Il me semble que c'est ça. Et ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne et tout. Ça marche, Azazel. Ah, mais tu fais des cours particuliers? Le feu? Ben oui, il faut. Sans dessiner. Mayu qui a tenté Azazel, du coup, grave. C'est un truc, alors, un système de tuiles qui inclut les viewers de donner des bits ou des subs, sur Destiny. En général, un train de la hype, c'est un moment de hype, hein, justement, où tout le monde s'est dit, ah, c'est le moment où il faut que j'aide la personne que je suis en train de regarder, donc je donne des petits bits ou je fais un sub, je follow, etc., etc. Oh, merci The Killer pour le beat qui fait avancer un petit peu le train de la hype. Il me reste 2 minutes, c'est pas gagné. Sans dessiner. Bon, du coup, on fait une petite pause, les gens. Je dois avouer qu'il faut que je boive.
Merci Mayo pour les 10 bits. C'est tes derniers là. C'est les derniers en plus. Tu l'as dit tout à l'heure, il t'en restait que 15. Merci. Saïma qui, je le sens, n'aime pas ce genre de choses. Le capitalisme là? Non, non, non. Non, non, non. Il en reste 5. Les 5 derniers. Oh là là, chouchou. Tchou, c'est le train de hype. Alors attendez, fallait que je fasse un truc. Est-ce que je peux le faire? Ah oui, je peux faire. Allez, ça charge, ça charge. Attendez. Eh mais il veut pas, hein. Il veut pas. Non. Je voulais faire un subgif à quelqu'un, mais ils veulent pas. Pourquoi? Pourquoi il veut pas? Please! Please! Moi aussi ça charge, Maëva. Mais pourquoi ils ont restreint mon compte? C'est des méchants! Oulala, là là, ça fait encore une baguette. Mais oui, je vais faire un subgif là. Et ils me disent que je peux pas avec PayPal parce qu'ils ont restreint mon compte. Je vais des clap 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 pour le niveau 1. Clap 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 pour le niveau 1. Clap clap pour le niveau 1. My goodness. Ils veulent pas, ils ont restreint mon compte. Oh, modifier le mode de paiement. Voir plus de méthodes. Alors, tuto pour comment faire un sub sur la chaîne Apprenant Japonais. Vous cliquez sur sub. Et vous cliquez sur... Ah oh, mais si, c'est bon. D'accord, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Et voilà, Maëva, tu n'as plus besoin d'attendre. C'est la famille qui régale. Avec le petit shuriken. Oh, moi si c'est bon. Mais oui, ça a bugué. T'as bugué. C'est pas grave, Maëva. T'as qu'à subgif quelqu'un. Si tu voulais vraiment faire un subgif. Fais ton plaisir. La mamie. Je suis en train de voir que mon stream est en train de lag de fou. Coucou. Alors, c'est Filch. Pac, merci beaucoup pour ton follow. Désolé, on était en pleine tuto de comment faire un sub. Merci à toi et merci à Alawag. Alawag, on va juste appeler comme ça. J'ai pas envie que ça soit mal interprété un jour, donc merci beaucoup pour ton follow. Comment tu vas, Genkileska? Comment avez-vous trouvé la chaîne, tous les nouveaux qui viennent d'arriver pendant notre tchou-tchou train de hype? Tchou-tchou, c'est le train de hype. Oh là là. Promis, après on reprend le cours. Mais je laisse passer le train à toute vitesse. Et non, sur mobile, il n'y a pas les 20%. Et en plus, c'est plus cher sur téléphone. Damn! Maëva. Bon, sinon, est-ce que je peux faire un sondage en même temps qu'un train de la hype? Dodalo, ne, dodalo. Ça se voit que le train est pas un TGV Kappa. Bah, résume, t'as qu'à appuyer que sur l'accélérateur, qu'est-ce que t'attends là? Si tu veux un TGV, fais en sorte qu'elle devienne un TGV? Je sais pas, moi. Coucou Shania, comment tu vas? Genki deska? Est-ce que ça va au niveau du stream ou... Parce que là, je suis en rouge, mais genre total sur Streamlab. Ils sont en mode, ça va pas.
C'est le train qui fait tout bugger. Alors, désolé, je pense que c'est l'alphabet russe et je ne parle pas russe. Ça va ? Bon, bah, si ça va, ça va, alors. Les gens, comment j'ai faim ? Comment, là, les 100 bits de Azazel, je vais aller... Ah, putain, je peux pas aller chercher une baguette couvre-feu, là. Oh, petite baguette, là. Eh, les gens, demain, je m'habille, je vais à la boulangerie chercher une baguette. Et je mets ça sur... Eh, venez, on fait un live Insta. Je me lave à quelle heure, demain ? Allez, je vais essayer de me lever à 8h. À 8h30, petit un live Insta, je vais chercher ma baguette. Ça serait trop drôle. Demain, je m'habille. Non, mais d'habitude, je reste en pige assez longtemps, jusqu'à avant de manger. Genre, toute ma matinée, je suis en pige. Du coup, je me dis, bon, je vais m'habiller, comme ça, je pourrais sortir direct. Ah, merci, Maëva. Du coup, Neil a un abonnement. Ah là là. Du coup, tu gagnes ton pain avec tes cours. Ben oui, merci Maëva. Je veux des clap 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 pour Maëva. Sone, aliato mina, aliato gozaimasu. Je suis fatiguée, les gens, je vous jure. Je suis fatiguée. Ah, vous êtes trop gentils. Clap clap clap, Maëva réussi. J'avoue, je crois que ça doit relever de l'exploit, je pense. Ah, et du coup, ça y est, Niel a son petit shuriken. Bienvenue dans la grande famille des ninjas que nous sommes. Je vous jure, on est des ninjas. Oh, merci, Ezreal. Il a fait avancer le TGV. Arigato, merci tout le monde. Merci pour ce train de la hype, de toute beauté. Clap, clap, clap pour tout le monde. Tchou, tchou. Je vous aide. Hey, les gens, demain, vous vous levez tous, 8h, live Insta, cherchez la baguette. On va chercher la baguette. Le rêve devenu réalité. Non. Alors oui, donc du coup, pour tous ceux qui sont sub maintenant, tout se fait automatiquement sur Discord. Donc, vous avez... tous les petits trains, trop mignons. Vous avez le rôle sub qui se fait automatiquement dès que votre compte Discord est lié à Twitch. Oh, merci beaucoup, Sefa Masito, pour ton follow. Mais à 8h, je suis au taf. Je veux mon apprenant 3 bugs à 1k bits. Mais comment tu peux avoir... C'est-à-dire ? J'ai pas compris. 8h, c'est trop tard. Alors attendez, faudrait que je... Non mais, je vais pas me lever à 6h30 pour aller chercher ma baguette. Bon, les gens, on reprend. Exercice numéro 3. Là, il y a deux possibilités, donc pas de sondage. Vous me dites juste dans le chat, parmi les 4 réponses, lesquelles sont correctes et dans l'ordre, évidemment. Phil, je parle pas russe. Je suis désolée, mais... I don't speak Russian. Je pense qu'on dit ça comme ça, le russe. I'm speaking Japanese and French only. Sorry, bro. Ah non. Ça va pas être possible, ça. Des émotes de bits. Fatiguée. A pas compris. Vous vous levez tellement trop tôt. Beaucoup trop. Ah, Phil. Where are you from? Russia, I suppose. Do you speak French? Je sais pas si j'utilise mon anglais pour rien alors qu'il comprend le français. Ça serait quand même... Voilà quoi. Il va dire Russie quoi. C'est honnête. Bon alors les gens pour celui-là. Watashi wa nani nani. Oto oto nani nani. Ga sega takai desu. Quelle pourrait être la réponse?
Waouh, merci beaucoup pour le follow. Alors, Gerasimos Twitch TV, merci beaucoup. Comment tu vas? Watashi wa... Ah non, c'est pas watashi wa. Alors, vous avez les réponses dans les... le QCM. Il n'y a pas besoin de... Wa. Il n'y a pas besoin de... Wa. Sensei wa nihongo jōzu demo eigo heta. Et sonna ni heta kana. Atashi wa eigo... Hanasu kikai wa suki nai dakedo... Sonna ni heta janai to omou. Janai? アレンジはあまりしてないんだけど Oh oui, bien joué Ezrim. So. Comment tu vas? Alors, Gerasimo, ça se l'est comme ça? Il y a pas le QCM pour celui-là, il y a deux réponses, c'est pas possible. Oh, merci beaucoup, Coco Bango, pour ton follow. Mais d'où venez-vous, tous? Il y a eu beaucoup de follow d'un coup. On se rapproche de l'objectif follow, là. Comment vous allez? Comment vous avez trouvé la chaîne? Je suis tombée dans un groupe japonais. Ben, dis donc. Ben oui, du coup, on apprend le japonais ici. Je l'enseigne. Ah oui, Coco Bango, on arrive bientôt à la fin, là. Du coup, je vous montre la réponse parce que vous avez l'air de galérer, mais n'oubliez pas qu'avec Yoli, on est sur une forme positive. Donc déjà, c'est pas Rodo. On n'est pas sur une question. Donc c'est pas Dotila. Là. Et donc il reste Noho et Yoli. Et là, vous pouvez dire les deux. Hein. Soit Watashi Noho, Oto Oto. Ah là, non, il manque le gars. Du coup, c'est pas possible. C'est Watashi Yoli, Oto Oto ga, Sega Takai desu. Ah, ganbatte Nicole pour ton travail. Merci d'être passé, c'est trop gentil. J'avoue, j'ai pas bien révisé ce cours. My bad. Ah, oh, Nadé Nadé Nègre, merci à toi d'être passé. Il a dit quoi, Mayeux? Apparemment, je t'ai ignoré. Désolée, t'as dit quoi? Alors, Yukimi avait la bonne réponse. Ah, et du coup, Mayo aussi. J'avais pas vu, excuse-moi. Sumimasen. Ah, et Gerasimo qui vient de Belgique. Bienvenue à toi, cher Belge. Alors, j'en profite hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Ah, mais Mayo, est-ce que tu peux mettre le lien du Discord, du coup? Parce que du coup, c'est plus le bon lien. Il est dans la bio, sinon. Hein. Mais là, c'est pas le bon. Du coup, watashi yori ototo no ho ga sega takai desu. Mon petit frère, ototo, hein, est plus grand que moi. Comparé à moi, mon petit frère est plus grand. Sega takai, c'est une expression pour dire avoir le dos grand. Hein. Donc, être grand. Sega takai, c'est naka ga takai desu. Non, ce n'est pas la clé de l'arbre. C'est pas la clé de l'arbre parce que l'arbre, tu n'as pas le petit trait au-dessus. Alors, comment elle s'appelle cette clé? Je vais vous dire ça tout de suite, je me souviens plus en japonais. Attendez, hein. Je vais vous dire ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mes clés. Alors, c'est dans les haines, évidemment. Et elle s'appelle... Elle s'appelle Je n'existe pas. Elle s'appelle Je la trouve plus. Ah, Nogihen. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Nogihen, quoi? Ah, ça a la représentation normalement des céréales. Mais là, on le voit pas trop. Pourquoi les céréales? Je sais pas. Pourquoi Watashi a la clé des céréales Bah, c'est une bonne question. Hein. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça vous va? On continue? Et celle d'à côté, du coup, c'est pour privé.
Donc c'est quand t'as tes propres céréales, genre c'est mes céréales. Tu touches pas à mes céréales. Watashi no desu yo. Bah des céréales. Ah, des céréales. Des céréales quoi. Des céréales killer, bah oui. Oh, ah, c'est pas possible. Exercice suivant. C'est quoi le ce dans la phrase, le ce? Ah, c'est le dos, ça veut dire le dos, c'est. Ah, bah voilà, Coco. À quelle phrase fréquente. C'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. La fréquence est le lundi, mercredi et jeudi à 18h30 pour les cours de japonais. Et de temps en temps, je fais un peu de gaming et ça pop quand j'ai le temps. Et donc, normalement, demain, il y a du gaming. Mais on va voir. Merci beaucoup, Lissou, j'imagine, pour ton follow, c'est trop gentil. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. So ne, watashi wa ryusha go hanasemasen. Wakarimasu ka? We don't speak real Russian. We're sorry, but we don't understand the word you're writing. Merci, je t'arrive. J'ai la flemme de parler anglais. Nihongo no hou ga suki kara ne. Ah, si Anto la banne, c'est qu'il a Google Trad et que c'était pas des trucs gentils. Comment tu vas, Lissoul? Naruhodo. Vous me direz ça en vocal, je veux savoir du coup. Mais pas sur le chat, on verra. Du coup, troisième et dernier exercice de la journée. Quelle surprise. Bah, je m'en suis doutée, hein. S'il a continué à dire des trucs... The ghost n'était pas... C'était pas trop nice. Alors, exercice numéro 3. Vous avez le choix entre la proposition A et B. Et il faut choisir. Et donc la première... Niku ryōri to sakana ryōri to dōchira mo. Et vous avez le choix entre soit suki desu ne ou suki desu ka. Et donc je vais faire un petit sondage pour ça. Cute. Il y a une faute à réponse, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Dodeska. Ah, je t'arrive. Mais lol. Oh, mais oh. C'est pas grave, les gens, vous avez pas vu. Ne mène fausse manip. Oui, Niku Ryōri, c'est bah, la cuisine avec de la viande. Sakana Ryōri, la cuisine avec du poisson. Et du coup, quelle est la bonne réponse selon vous? Est-ce que c'est A, est-ce que c'est B? J'échange des cours de français contre des cours de japonais. Non, mais tu sais que le pire, c'est que avant, je faisais mes... des fautes, oh, abominables. Et là, depuis que je suis en master et la licence et tout, j'en fais plus trop. Mais dès que je suis fatiguée, mais genre, tous mes mauvais démons, ils ressortent d'un coup. Et mon cerveau, il réfléchit plus. Genre, il est en mode, non, mais c'est trop compliqué. Fais ce qui te passe par la tête. Je relis, hein. Niku ryōri to sakana ryōri to dōchira mo. Soit suki desu ne, soit suki desu ka. Vous
ça va bientôt être fini. Tu préfères manger du poisson ou de la viande? Bah les gens, vous avez faux. Je tiens à vous le dire. Parce que la bonne réponse, c'était la A. Voilà, Anto. Je pense que personne n'a vu que c'était Dotilamo et pas Dotila. Dotilamo veut dire autant, aussi bien l'un que l'autre. Et donc, Dotilamo n'est pas un mot interrogatif. C'est justement en réponse à Dotila que vous pouvez l'utiliser. Donc, pour les 4 personnes qui ont répondu la A, vous avez une bonne réponse. Nikuto sakanato dotilamo sukidesu ne. J'aime aussi bien la viande que le poisson. Et le deska, vous pouvez le mettre que et uniquement que quand vous avez un mot interrogatif. Ce qui n'est pas le cas de dotilamo. D'accord ? Viande super rare, un poisson. Ah bah tiens, Esdum, dis-le en japonais plutôt. La viande, c'est meilleur que le poisson. Comment on dit les gens dans le chat ? Comme un légume. Je valide, Sonia. Non, j'ai pas rajouté le mot après. Si, si, Yankitai, on l'a vu. Je t'assure qu'on l'a vu. C'est encore moi qui fais le cours. Je sais ce que je mets dans mon cours. Sa collègue qui vient en touriste. Oui, ça se comprend. C'est bien. C'est bien, les yeux. Ah bah si, si, si. Dernière partie, Dotila. Et on a vu en réponse, soit qu'on pouvait répondre Noho, soit qu'on pouvait répondre Dotilamo. À toute la fin du cours. Mais je pense que t'es peut-être pas là, à la fin. C'est peut-être pour ça. Sodesne. Sakana wa, niku wa sakana yori oishii desu. Bien joué, Natsuki. La viande, c'est meilleur que le poisson. Du coup, ouais, c'est meilleur. J'aime ou c'est meilleur. Ah ouais, certainement, Anto. Certainement. Sodesne. Question suivante. Donc là, pareil, vous avez une phrase et je vous mets le petit sondage. Hop, soit A, soit B. Créer un sondage. Moi, je sais plus ce que j'ai dit. Go regarder le replay. Alors, Ichiban, c'est du superlatif. C'est pas du comparatif. Le superlatif, c'est quand tu dis que quelque chose, c'est le numéro 1. Alors que du comparatif, c'est quand tu dis que l'un est plus quelque chose que quelque chose d'autre, du coup. C'est pas la même chose. Parce que tu peux dire que les sushis sont meilleurs que les ramen, mais tu peux dire aussi que ce que tu préfères le plus, eh ben, c'est les onigiri. Merci beaucoup, NK Line, pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu, sono channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Alors, ici, la phrase, je vous la lis. Hein. Watashi wa Tanaka-san hodo. Et vous avez deux possibilités. Isogashii desu. Isogashi kunai desu. Merci beaucoup, Suma. Oh, Camille, pour ton follow. Trop gentil. Vous êtes beaucoup aujourd'hui à avoir follow, dis donc. Comment vous allez? Genki desu ka? Follow shite kurete arigatou gozaimasu ne. Merci beaucoup pour vos follow et bienvenue sur la chaîne. Et petite question habituelle. Comment vous avez trouvé la chaîne et d'où venez-vous? Nona Idea, c'est ça.
Maëva qui met des points de chaîne, j'adore. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Mouindila, pour le follow. Follow, je t'écoute, arigato gozaimasu, notre channel est yokoso, bienvenue sur la chaîne. Alors, même question, comment vas-tu, d'où viens-tu et comment as-tu trouvé cette chaîne? Comme tous les nouveaux qui viennent d'apparaître. Ah, Ishtaris, ben voilà, comme quoi, c'est une bonne chose. Et je dab. Je lag, ma caméra lag de fou. Alors là, on est sur du 50-50. Et la réponse, bah, c'était la B. Nona Ibidea a donné la très bonne explication qui est tout simplement que quand vous avez Hodo, à la fin de votre phrase, ça sera forcément conjugué à la forme négative. Forcément, c'est une obligation. Ça va très bien, merci, je t'avouerai dans mes suggestions un rapport avec le Japon. Naruhodo, eh bien, écoute, bienvenue à toi, installe-toi parmi nous dans le petit amphi qui est cette salle de classe, cette chaîne Twitch, et puis bienvenue à toi. Sakura, mais lol, j'ai voté au pif et j'ai bon. Vous êtes trop fort, l'instinct. Alors ici pour l'adjectif, isogashi, ça veut dire être occupé. Et donc, watashi wa Tanaka-san hodo isogashi kunai desu. Vous le traduiriez comment dans le chat? Hodo, c'est quand vous voulez dire moins que. Quand A est moins quelque chose que B. Je vais bien, merci, tu as apparu dans mes propositions vu que je suis des youtubeurs Japon. Oh, Naruhodo, et eh ben écoute, super. Twitch fait bien son boulot de recommandation, hein. Ça, c'est cool, hein. Des révisions, ça fait plaisir. Oh, bien joué, Suma Okami. Ah bah non, du coup, pas bien joué. Il n'y a pas de double négation. En fait, tu as une négation pour Hodo, mais en français, tu ne traduiras pas la négation. Tu diras juste moins que, être moins que. Ah, et du coup, oui, confert, la remarque de VRC, on peut aussi dire ne pas être aussi que. Ça fonctionne aussi. Et donc, pardon. Watashi wa... J'ai fait une faute? Ah non, c'est bon. Watashi wa Tanaka-san hodo isogashi kunai desu. Ça veut dire je suis moins occupée que Tanaka-san. Ou je ne suis pas autant occupée que Tanaka-san. So, bien joué tout le monde. Kiyu7, très bien, très très bien. Anto, du coup, excellent. Yankitai, pareil. C'est très bien. Je suis moins occupée que monsieur au milieu de la rizière. C'est ça. Très bien, Ishtaris. Sans. Allez, troisième et dernière question pour aujourd'hui. Je vous fais le petit sondage. Hop. Ça vous permet de le lire en attendant. Do desu ka? Jusu to ocha to. Et donc là, vous avez le choix entre dore o ou dochira o nomimasu ka. On a la meilleure des profs. Ah, watashi ka? Sana koto nara arigato gozaimasu ne. Des katakana, oulala. Anto qui donne la réponse sans gêne. Enfin, qui donne la réponse. Bref, je me suis comprise du coup. Pourquoi tu réponds Iye watashi? Nani? J'ai pas donné la réponse, juste un indice. Ah, so ne seima. Iine. Watashi wa
Ah, naruhodo. Ensodorim wa ichiban jōji na sensei desu ka? Ah, soyu koto ka. C'est faux. Oh, merci beaucoup, Saima. À ta santé. Kampai. Utilisons les émotes de kampai. Mais les gens, c'est pas possible. Il y a un bug. Regardez, les subs, c'est redescendu. C'est pas possible. Ah, merci beaucoup pour les kampai. Kampai, kampai. Et du coup, bonne réponse, c'est la B. Alors, Anto a donné l'indice qui permettait de choisir la bonne réponse. Hein. Dotsira, c'est seulement pour comparer deux choses. Alors que Dore, c'est pour comparer dans un ensemble de choses. Les deux se traduiront par lequel, lesquels, mais Dore, vraiment, c'est un peu... Parmi tous ces parapluies, il y en a plusieurs, il y en a peut-être 10, c'est lequel. Et là, on utilisera Dore. Donc, juice to ocha to, dotsira o nomimasu ka. Saïma nous a donné la réponse hein, en niveau de la traduction. Entre un jus de fruits et du thé, vous buvez quoi? Tout simplement. Très bien, tout le monde, pour la réponse B. Hein. Oh, merci beaucoup, Iniwi, pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bon appétit, Patricia, merci encore pour le sub, merci pour le prime, c'est trop gentil. Bienvenue à toi, Iliwi, comment vas-tu? J'ai énormément perdu, j'ai l'impression. Alors t'inquiète pas, Suma Ookami, hein. Le comparatif c'est pas quelque chose de très évident et c'est même plus proche du JLPT4 que du 5 en réalité. J'en ai juste profité parce qu'on a vu les adjectifs et qu'on pouvait le faire juste avec des adjectifs, mais on le reverra encore quand on fera avec les verbes. Iniwi, tu t'appelles Ninon. Natsuki, du coup, oui, en général, ça sera pas forcément, mais Dole, c'est plus pour un groupe. Hein. Et là, tu manques de respect ultime. Tu réponds que tu veux un café. C'est ça. Bah, en fait, ni l'un ni l'autre. Hein. Bon, sinon le cours pour aujourd'hui est fini. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été fait aujourd'hui? Je me permets de remettre ma tête. Hein. Shitsuman Alimaska. Coucou Jimmy, comment tu vas? T'arrives à la fin du live, mais je suis contente que tu aies lâché un petit coucou. Je pose deux questions, faut que je révise. Ah, sans honnête. Vraiment merci pour ce cours, Sensei. Ces exemples sont essentiels. La commu est tellement cool. Passez une bonne nuit et prenez soin de vous. Bisous à lundi. Des bisous, Bekasi. T'es trop chou. Arigato. Arigato, ne. Ah, d'accord. Il n'y a pas de question. Il faut juste réviser. Naruhodo, ne. Naruhodo. Et oui, Saku, c'est déjà fini. Ça va faire 1h30 passé maintenant. Kyomo, arigato gozaimashita. Yeye, kochira koso desu. Ah, t'inquiète pas, Jimmy. Tous les lundis, mercredis et jeudi à 18h30. Retiens, 18h30. Mode révision on. Et du coup, Natsuki, vu que tu viens de rejoindre le club des subs, des subs, oui, tu as accès au salon réservé sur Discord avec tous les cours, tous les PDF. Tous les exercices, tout, avec des nouveaux salons que je viens de refaire aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à venir sur le Discord, je le répète, tous ceux qui viennent d'arriver, hein, venez, juste venez. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je pense qu'on va raid Sophie, hein, évidemment, on continue la soirée de japonais. Et voilà, merci Mayu pour le lien du coup du Discord. Arigato ne. Arigato gozaimasu. Hop. Bon, si pas de questions, j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous avez des questions comme d'habitude, venez sur le Discord, on ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe bientôt? Demain, je suis censée live, si je ne me trompe pas. Je suis censée live du Fall Guys en fin de... En
début de soirée, fin de soirée, vers 21h je crois, 20h, 21h, quelque chose comme ça. Ça dépendra de ma fatigue. Si je ne live pas du Fall Guys demain soir, je le liverai certainement samedi, au matin, très certainement. Ah, mata laishu saima, otsukare sama desu. Du coup, voilà. Et samedi, il y a une activité sur le Discord, mais à 20h, je vous en reparlerai. Kendi et ses gars de l'automne. Et ses gars de l'automne. Mes gars de l'automne. Pas compris. Ravi d'avoir trouvé ta chaîne. Non, merci, Natsuki. Ah, konnichiwa. Shitsurei itashimasu. Mata. Kondo ne. Matane. Bon allez, je fais le raid, je vous fais des bisous, et puis potentiellement à demain soir, ou samedi matin, grand max. Des bisous. Et allez faire un coucou. Ah oui, le nouveau truc. Vous arrivez sur le live de Sophie et vous dites, vous vous êtes fait japoniser. On dit ça maintenant pour les raids. Tu t'es fait japoniser. Tu t'es fait japoniser. So desu ne. Allez les gens, je vous fais à tous des bisous, bonne soirée, merci à tous d'être venus, et puis à la prochaine, des bisous, bye 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 bye, otsukaresama deshita.